Les résultats qui sont remontés depuis les bureaux de vote. Comme nous les Sénégalais, nous les avons écoutés religieusement se décliner à travers la presse. Et je voudrais, au nom du président Macky Sall, saluer la presse sénégalaise qui contribue de manière décisive à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Et c'est le lieu peut-être aussi de condamner ce que nous observons parfois ça et là, des menaces qui sont proférées à l'attention de la presse sénégalaise, qui afin de rendre compte, comme elle a l'habitude de rendre compte, des différents résultats qui ont été obtenus par les différents candidats dans les bureaux de vote. Après compilation des résultats, nous pouvons dire aujourd'hui, pour nous en féliciter, que notre candidat, le président Macky Sall, a obtenu, sur la base des résultats qui nous sont parvenus ici au siège de la grande coalition présidentielle, les résultats compilés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection. Une grande maturité en se déplaçant massivement, et c'est le premier enseignement que nous tirons de ce scrutin, le fort taux de participation qui exprime l'amplitude de la volonté du peuple d'élire son dirigeant. Le deuxième enseignement que je tire au nom du directoire et au nom de notre candidat, c'est que le Sénégal a encore une fois été au rendez-vous de la non-violence. Et je pense qu'il faut le saluer. Et nous souhaitons, bien entendu, et nous le pensons avec le peuple sénégalais, que demain, comme à l'accoutumée, le travail va reprendre. Parce que le Sénégal est à un carrefour, et c'est le carrefour, c'est son rendez-vous avec son avenir, c'est le carrefour de l'émergence. Et nous pensons que dès demain, nous allons reprendre ce travail au nom du peuple. Nous avons, comme j'imagine, tous les états-majors, par nos systèmes de dépouillement, organisés avec les plénipotentiaires
du candidat dans les différents départements du pays. Nous avons collecté les résultats qui sont bien entendu provisoires, mais nous avons compilé l'ensemble ou la presque totalité des résultats qui sont remontés depuis les bureaux de vote. Comme nous les Sénégalais, nous les avons écoutés religieusement se décliner à travers la presse. Et je voudrais, au nom du président Macky Sall, saluer la presse sénégalaise qui contribue de manière décisive à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Et c'est le lieu peut-être aussi de condamner ce que nous observons parfois ça et là, des menaces qui sont proférées à l'attention de la presse sénégalaise qui a fait de rendre compte, comme elle a l'habitude de rendre compte, des différents résultats qui ont été obtenus par les différents candidats dans les bureaux de vote. Après compilation des résultats, nous pouvons dire aujourd'hui, pour nous en féliciter, que notre candidat, le président Macky Sall, a obtenu sur la base des résultats qui nous sont parvenus ici au siège de la grande coalition présidentielle, les résultats compilés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Macky Sall pour sa réélection. Aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à un minimum de 57%.